Les nouvelles du jour de Papillon, nous sommes le mercredi 2 août et c'est la 19e journée de traversée retour. Ça commence à être long. Cette nuit, j'ai dormi, c'était l'objectif, j'étais épuisée. Hier soir, j'ai eu Eric au téléphone. C'était pas le bon moment. Je voyais des grains qui arrivaient partout. La fatigue aidant, il a eu beau essayer de me remonter le moral et de m'encourager. J'ai un petit peu craqué. Je suis désolée, mon chéri, c'était pour toi. Donc, dans le coup, la priorité cette nuit, c'était de dormir. Donc, réveil toutes les 45 minutes. Qui me laissait 10 minutes, un quart d'heure pour m'endormir, une demi-heure de sommeil, et puis à partir de là, réveil, tout le monde debout, un œil à la IS pour voir s'il n'y avait pas des bateaux sur la route, un œil dehors pour voir si tout allait bien, et retour sur la couchette. Voilà, donc... Je suis installée ici avec mon gilet de sauvetage, ma petite balise à portée de main. Comme ça, si j'ai besoin d'intervenir en catastrophe sur le pont, j'ai juste à prendre ma balise, la mettre dans ma poche, mettre les pieds dans mes chaussures qui sont sur la route et hop, je suis opérationnelle. Et puis j'ai mon petit iPad, l'iPad d'Eric, avec les bouquins. Et puis, en portugais. L'iPad est... qui me sert aussi de réveil. Je pense que c'est le bouquin météo. Donc j'ai fait ça de 21h TU jusqu'à 5h15 ce matin. Donc là j'ai vraiment rechargé les accus. Et ce matin, au saut du lit, petite séance d'éveil musculaire. Le phoque travaillait de moins en moins, donc il a fallu retirer ce tombeau. Ça fait 2 jours que je réfléchis à comment faire ça. Et puis j'ai réussi, je suis contente. Il m'a juste fallu un peu plus de 3 quarts d'heure, là où on a besoin de... Allez, au moins 5 minutes avec Eric. Mais le tombeau est dégréé, le phoque travaille de nouveau. Donc là maintenant je suis tranquille et si j'ai besoin de changer de route en catastrophe, je suis beaucoup plus manœuvrable. Voilà, donc ça m'a fait plaisir, ça m'a remonté le moral ce matin. Et puis dans le coup ça va mieux. Il me reste 140 000 à parcourir. Là on a Florès, l'île de Florès par le travers qui est à 20 000, mais la visibilité n'est pas top, donc je vois rien. 140 000, ça veut dire que normalement demain en fin de matinée, je suis en approche du port de Fayal sur Horta. Ça veut dire que je commence à apercevoir le bout du tunnel. Et ça, c'est bon pour le moral. Voilà les news. Eh bien, affaire à suivre. Hein. De toute façon, je vous raconterai. Allez, je vous embrasse.